Bonjour à toi chers spectateurs, la de famille de Danny boone Comme vous vous en doutez, c'était un film duquel je m'attendais à ressortir extrêmement déçu une nouvelle fois parce que Danny boone est pour moi malheureusement un des cinéastes qui est un petit peu responsable entre guillemets de la décadence de la comédie française populaire comme on l'entend actuelle. Il a fait un paquet de films sur les six si je ne me trompe pas qu'il a réalisé qui sont quand même assez mauvais il y a la moitié de sa filmographie concrètement qui n'est pas bonne du tout voire même qui est lamentable. et donc du coup la petite famille voulait entre guillemets s'inscrire dans la pure veine du reste de son cinéma c'est à dire finalement assez mauvais. Le résumé pour faire simple: Valentin est un architecte de renom à Paris, marié à Constance, sa partenaire et co-créatrice. Mais alors qu'il va fêter son anniversaire, sa famille venant du Nord va décider de lui faire une surprise et de descendre le voir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'il a caché leur existence à tous ses proches. Et alors là, je sais pas quoi vous dire. C'est plutôt bon. <laughs> je sais pas ce qui s'est passé, mais, mais c'est plutôt bon la petite famille. Euh, Danny Boone arrive à retrouver ce qui avait fait la force entre guillemets de Bienvenue chez Ech'ti, force d'entre grosses guillemets parce qu'encore une fois bien vu chez Echtey pour moi ne mérite pas en fait les 20 millions d'entrées qu'il a eu c'est un film qui est beaucoup trop surestimé mais il avait en fait cet équilibre assez juste entre comédie et tendresse que la Ch'ti de famille arrive à retrouver parce que ne vous fiez pas à la bande annonce la bande annonce va vous faire croire à une énième comédie complètement pérave et foirée le film est beaucoup plus subtil que ça. Et là-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que même si Danny Boone essaie de se faire passer pour quelqu'un d'adorable au travers de ce film, ce que malheureusement, il n'arrive pas à être dans la vraie vie, parce que le personnage qui, entre guillemets, est au centre du film est très inspiré de sa propre vie. Ce qu'il est aujourd'hui est malheureusement le personnage qu'il nous présente au début. Il n'a pas évolué pour devenir ce fameux personnage qu'on voit à la fin du métrage. Mais en soi, le film dégage assez de tendresse et assez d'émotion couplé avec la comédie pour au final être un film intéressant, ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas du tout. Pourtant, je partais extrêmement pessimiste quant à ce retour derrière la caméra de Danny Boone, voire même quasiment convaincu qu'il s'agirait d'un des pires films de l'année d'avance. Mais heureusement, j'ai envie de dire, il semble que la teneur personnelle du sujet qu'évoque le comique français lui ait donné envie de faire un peu plus que du lourd. Heureusement, cela donne donc lieu à un film plutôt sympathique dans le genre, qui réussit à nous entraîner dans une histoire très grossière et extrêmement maladroite, mais finalement assez touchante et bien plus équilibrée que ses trois précédents films. En termes d'écriture, on sent que Sarah Kaminski et Danny Boone, qui bossent ensemble depuis vachement longtemps, ils ont voulu avant tout composer une galerie de personnages qui soient assez attachantes pour que le spectateur puisse se lier à eux. Parce que ce qui fait le gros défaut de quasiment tous les films de Danny Boone, hormis bien lu chez HT et La Maison du Bonheur, c'est des personnages qui sont très antipathiques. Ou alors pas antipathiques, mais pathétiques presque. Euh, je suis désolé, mais dans Red dingue par exemple, c'est ce qui malheureusement ressortait le plus pour moi, c'était que ce n'est pas du tout un film féministe, contrairement à ce que Danny Boone essayait de faire passer. C'est un film qui était extrêmement misogyne. Superchondriac, qui était un film qui voulait nous faire ressentir beaucoup d'émotions pour un personnage qui a peur de tout, au final, on le trouvait vraiment pathétique. Et rien à déclarer était dans cette même veine-là, c'est-à-dire qu'on avait deux personnages qui étaient antipathiques parce qu'ils se confrontaient l'un à l'autre, ils étaient incapables d'arriver à trouver un terrain d'entente. Enfin, à chaque fois, Danny Boone, il a un gros problème dans la construction de ses personnages. Là, heureusement, ils ont réussi à miser sur une galerie qui est assez large, entre guillemets, au niveau des personnages centraux, pour faire en sorte qu'on puisse s'attacher à eux, ou en tout cas, essayer de les comprendre. Ça ne veut pas pour autant dire que le film est d'une grande subtilité, bien au contraire, le film est con comme les pieds, il a vraiment des instants où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces raccourcis dramatiques Et à contrario, il y a des moments où on se dit, quand même, le film est vachement long pour ce qu'il a raconté. Néanmoins, cela reste très cliché ce que nous offrent les deux scénaristes de ce film, et ce n'est pas au travers de la composition dramatique et de la narration que l'on peut y voir un renouveau de la comédie populaire française. Mais étonnamment, le film s'avère être une jolie rencontre entre le sentimental et l'humour burlesque. En ce sens, on peut dire que l'histoire est prenante et juste, mais pour autant, on reste très sceptique quant à la manière avec laquelle le tout est mis en place au cœur de l'avancée du film, et en termes de longueur dramatique, puisque c'est long, mais genre beaucoup trop long. Au niveau de la mise en scène... Y... On est toujours dans un espèce de, de concept où c'est de la comédie très plan-plan. Il y a rarement des grands moments de brio scénographique, il y a rarement des grands moments de réinvention de mise en scène. C'est très factuel, ça met en scène des gags, ça essaye de faire du comique de situation sans pour autant réussir. Là-dessus, il faut reconnaître que Danny Boone, ce n'est pas son point fort, la mise en scène. Je trouve c'est un cinéaste qui sait écrire ses films, mais sérieusement, il faudrait qu'il confie la mise en scène à d'autres auteurs parce que lui... Il a du mal à comprendre en fait toutes les mécaniques qui régissent un film. Et du coup, c'est des films voilà qui sont, comme je dis, très plan-plan, qui sont constamment, constamment assis dans leur fauteuil à attendre que l'action se passe. Et on a la sensation que l'action décolle jamais vraiment, qu'il n'y a jamais cette envie de pousser l'élan un petit peu plus haut. Et du coup, ben, nous en tant que spectateurs, on a envie d'en voir plus. Pour autant, on n'est pas insatisfait quand on sort du film. On se dit c'est assez bien pour nous avoir entraîné pendant 1 heure 50 Mais... Franchement, pour ce que c'est, on peut en attendre plus. Boone est plutôt juste sans pour autant être flamboyant sur ce film. Comme s'il avait décidé d'être beaucoup plus sobre que dans ses deux derniers trips bourrés de fric, comme si ce film était un vrai retour aux sources. Au basique de son cinéma et à ce qui fait l'essentiel d'une comédie, soit la situation au centre d'un comique. Cela reste toujours autant loupé en termes de lumière et de photographie et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment cela se fait que sur l'ensemble de ces quatre derniers films donc, il y ait ce même problème qu'ils reviennent à chaque fois comme une évidence qu'il serait temps pour Boone de changer de directeur de la photographie. Bon, au niveau du casting, c'est pas trop mal sans être vraiment extraordinaire. Euh, je citerai au niveau des bons acteurs Guy Lecluise et Valérie Bonneton, au niveau des secondaires qui sont vraiment excellents je trouve, François Berléon et à la ramasse, alors là mais euh, il, joue, il fait n'importe quoi, il joue n'importe comment, c'est à la limite du ridicule. Étrange cette séquence avec énormément de cameos, pas forcément nécessaire au début du film, et au bout du compte, c'est pas forcément les deux acteurs principaux qu'on retient à la fin du métrage. Bon, la plupart des acteurs restent lourds, notamment Boone et Harney qui sont assez insupportables. Mais personnellement, je me suis senti touché, voire ému, par les performances de Renaud et Richard, tous deux excellents et émouvants à la fois. Et donc oui, étonnamment, La de Famille n'est pas un mauvais film. C'est même plutôt un film assez sympathique, et c'est un film qui moi-même, je me surprends à vous, presque vous le conseiller de le voir pour... Comprendre que Danny Boone est capable de changer, et capable d'offrir un petit peu plus que simplement des comédies ringardes et poussives au cinéma français. Parce qu'au final, il vient de livrer un film un peu poussif, un peu ringard, mais qui arrive à dégager plus de tendresse et d'émotion, et surtout de comédie, que ces deux autres trucs que je viens de citer. Donc en soit, la Petite famille de Danny Boone, eh ben pourquoi pas Si ça vous tente, essayez. Vous verrez bien si ça vous plaît, mais même moi, je suis promis surpris à vous dire que oui, vous pouvez aller voir la ch'tite famille. A plus